Elle a plus d'une corde à son arc. Et elle le prouve jour après jour. Séverine Ferrer, que l'on a découverte toute jeune sur le petit écran, alors qu'elle présentait des programmes tels que Fan Do Dance Machine, est capable de soulever des montagnes, loin des plateaux de télévision. Elle s'est un temps rapprochée des cuisines, tout particulièrement pendant la période de confinement, due à la pandémie de Covid-19, en compagnie de son grand garçon Milo, elle est également maman de Joshua. Et si elle poursuit avec plaisir sa carrière de chroniqueuse, elle est aussi comédienne, ne l'oubliez pas. Vous la verrez prochainement sur les planches, dans la pièce de théâtre À quel prix tu m'aimes, de Guillaume Mélany et Jean Franco, qui partira en tournée dès le mois d'octobre 2023. Séverine Ferrer a récemment dévoilé l'affiche du spectacle, sur les réseaux sociaux, et donnera donc, prochainement, la réplique au beau Terence Tell, à Marie-Hélène Lantini ou encore à Juliette Poissonnier. Elle donne, également, toujours de sa force aux représentations de la voix des femmes, une série de témoignages qu'elle reçoit, en public, sur scène. Elle retrouvera donc quelques-unes de ses camarades au Théâtre des Dreux, le 25 novembre 2022 à 20h30, puisqu'il s'agit de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.